Plus à la framboise. Ça se présente comme ça. Ça va être genre trop classique, on va être trop déçus. Oh, délire. Oh, c'est cool. Alors, il y a des blancs comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Ah bah si, on voit. Et des genres de marron, enfin c'est rouge bordeaux en fait. Ouais bah vas-y, prends un. Hop, tiens. Donc c'est goût framboise en fait. Mais des frondes là? Bah je sais pas. Non, je pense que... Ah non, il y en a chocolat et framboise. Il y a fraises aussi. Il y a des fraises. Il y a fraises comme ça aussi. Attends, on fait le combo des trois. Il y a le goût. Il y a le goût, c'est vrai. Ah ouais, il y a bien le goût de framboise. Quand tu mets le bonbon des trois, c'est trop bon. Franchement, il y a bien le goût de framboise. En fait, ça fait gâteau au chocolat, framboise. Ah ouais. C'est pas gâteau, c'est des bonbons. Non, par contre, attends. Oh bah tiens. Non, c'est bon. Ah, franchement, c'est bon. Hein. Gâteau banane. Attends. C'est ouvert comme ça, attends. Deux secondes, c'est bon. De type qualitatif. J'ai pris ça aussi. C'est des toilettes moussantes. Je croyais que c'était des, en fait, des petites toilettes en fait en bonbons, mais c'est une genre de préparation. Il y a une vraie toilette dedans. Ouais, voilà, qu'il faut monter. Mais ça, je pense qu'on fera plus ce soir pour tester. On verra bien. On peut pas le faire là, comme ça. Celui-là ouais. Alors, ça, je crois, c'est des Countryma'am, et je crois que c'est des pains à la banane. Mais je suis pas... Ah oui, c'est marqué dessus, bah, Countryma'am. Mais je suis pas sûre que c'est des pains à la banane. Bah on va voir, on veut ça. On dirait des petits cookies en fait. Regarde, il y a une image d'un petit cookie sur le côté là. Ouais. Voilà. Il y a pas de panne. Ah, Oh, c'est cool ça. C'est des paquets individuels comme ça. Ah, c'est génial. Ah, c'est trop bien ça. Il y a pas de bail. Moi aussi, quand même, c'est bien. On dirait des petits gâteaux chinois qu'on donne à la fin, tu sais. Il en reste plus que 3. Non, 2. Oh, c'est génial, ça sent bon. Ouais, il y a pas beaucoup de. Ah ouais, ça sent. Tu veux pas qu'on fasse un moitié-moitié? Tu veux qu'on avance un moitié-moitié? Bah ouais, parce que... Pas dans ton sachet déjà. Merde. Alors, à l'intérieur, ça se présente comme ça. Et l'odeur, on sent bien l'odeur de la banane. Banane, ouais. Banane chocolat, ça fait. On va voir. Je suis pas fan, moi, de la banane au chocolat, donc... Oh ouais, c'est trop bon. Ça va, on sent bien le goût, mais je suis pas fan. Alors... C'est pas fort en banane, hein, c'est. Bah, on sent le goût de la banane, mais bon. Mais il y en a pas beaucoup dedans. Hein. Non, bah, là, pour un gros sachet comme ça. Bah ouais. C'est pas, pas top. Hein. Pas top, mais bon. Il y a 6 quoi. Bon, ça, bah. Je sais pas si ça fait une grosse boule, non, ça va être long. Ou on goûte à la fin après avec les chewing-gum. Ouais, vas-y. Bah, on a commandé ça, c'est des. Awa Awa Pucho Bowl. Non, Awa. Non, c'est des. C'est même pas des Awa Awa, c'est des Awa 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 Pucho Bowl. Mais ça, on goûtera à la fin, on va goûter salé avant. On goûtera à la fin et on goûtera les chewing-gums aussi. Ah, j'ai vraiment envie de goûter ça. On goûte en premier ou pas? Tu veux goûter en premier? Ouais. Vas-y, prends. Bonjour, bon pain. Hein. Alors, c'est, ça s'appelle comment? Ça s'appelle des Tiran Habanero Spicy Ring. Donc, en gros, ni plus ni moins, c'est des petits gâteaux en forme d'anneau, quoi, ring. Au piment, et apparemment sur certaines vidéos on le voit, ça arrache. Ouais, apparemment ça arrache vachement. Et là il y a 5 piments là ici. Hop, voilà. Bon, puis j'en ai pris 2 sachets. Je me suis dit, oh bah je sais pas, on va aimer, ouais. Mais bon, si ça arrache. Allez, vas-y. C'est bon. Oh, l'odeur ça sent bon. Ouais, ça sent comme les, bah, les gâteaux apéro. En fait. Ouais, les gâteaux apéro, tomates, tu sais, les tomates. Vas-y, prends-en un. Mais prends-en un, c'est pas grave, on s'en fout. Mais pourquoi tu prends un petit bout? Ouais, vas-y. Attends, on prend en même temps. Vas-y. Vas-y, j'en prends plusieurs. Et donc ça ressemble à ça, des petits anneaux. Des petits anneaux, ouais, plutôt difformes en fait. Attends, non, prends pas tout ça, prends-en un au début. Non, vas-y, j'en prends deux. Deux? Vas-y, j'en prends deux. Allez, vas-y. Allez, un, deux, trois. Déçu. Pas bien pris normalement. Attends.
Moi j'aime tout ce qui est piquant donc. Mais moi je suis pas fan et pourtant. Peut-être en manger plusieurs alors. On sent bien quand même après. Hein. On sent que ça pique mais. On sent que ça pique mais bon c'est pas. Peut-être en manger plusieurs alors. Quoique. Ah si, au bout d'un moment c'est. Mais c'est bon. Ah ouais. Ah si si, après ça pique. Oh oui. Tu veux plus tard, arrête pas d'en bouffer mais genre en masse. Ah la vache. Oui, non, c'est bon. Ah c'est bon, franchement le goût c'est bon. Ouais. Ah la vache. Ah si, ça pique un peu quand même. Pas non plus énormément, je m'attendais à pire quand même. Ouais, franchement je suis plutôt déçu. On sent que ça pique quand même. On sent que ça pique, ouais. Mais c'est pas comme si tu manges. Bah c'est normal, c'est pas comme si tu mangeais rapidement. Mais ouais, même ouais, si ouais, tu manges en masse, c'est pas. Je sais pas. Non, mais oui, c'est vrai. Mais après, faut que ce soit mangeable. C'est vrai. Bon, j'ai envie de goûter ça. Alors, t'en as un maïs et un oignon. Oui. On va goûter maïs avant. Est-ce que je fais un bon goût, toi ? Ah ouais, ça. Ah ouais, ça réactive de très vache. Alors, ça, c'est des. Prates, des beer prates. Voilà, exactement. Et celui-là. Je sais pas. Bah, celui-là dire. C'est au maïs et il y en a un autre et c'est au oignon. Hop. On va goûter maïs avant. Ah parce qu'au bout d'un moment c'est vrai qu'en fait ça. Au bout d'un moment ça. C'est au fond de la gorge. Ah ouais. En fait. Oh. Toujours sachet fraîcheur. Le type pratique. Oh, vas-y. Ça sent bon mais ça a une odeur bizarre. Je sais pas c'est space. J'ai pas que ça pue mais ça sent pas bon. Ah plus. C'est une odeur que je connais ça. T'as vu, c'est bizarre comme odeur. Maïs. Hein ? Maïs. Bah oui, c'est maïs. Bah oui, c'est au maïs. Il n'y a rien compris. Ça ressemble à ça. Oh, c'est quand même c'est un bretzel quoi. Non ? Mais c'est juste ta langue dessus. Et après, tu. Oh. Pas le goût là. Si. Ouais. Pas trop moi. C'est original, on va dire. Oui, c'est original, c'est sûr, mais. Je sais pas, le goût, c'est. Oh, j'ai envie de goûter ça. Attends, on va goûter celui-là aux oignons. Ah, oui, c'est vrai. Je crois que c'est. On va goûter ça après. Tu manges un coup. Donc, toujours sachet fraîcheur. Le type, lequel t'as dit. Je sens pas les oignons. Ah, si, quand même. Il y en a arrière. Oh, putain, ça pue. Ah si, ça sent bien les oignons. Ah c'est dégueulasse. Alors non, on l'aime pas du tout. Tu veux goûter même. Tiens, il y en a un petit bout si tu veux. Attends. Bon, oh, t'inquiète. Nous on est des barbares, on goûte. Ça ressemble pareil aux... C'est une barbe mais aux oignons. Ça pas le même goût que l'odeur. Oh, c'est bon. Attends, je rate pas. C'est le piment, ça c'est pas enlevé le goût. Ouais, le piment ça. Ah, c'est bon. Très bien le goût. Enfin, ça a pas trop le goût d'oignon. Ouais, bah c'est bien, t'en manges 2-3 et après t'es calé parce que je trouve ça pas top. Hein. Ah ouais, bah moi c'est l'autre que j'aime pas, celui-là au maïs là. Pas mon fort au maïs. Bref. Je vais goûter ça, je croyais que tu voulais goûter. Je veux tout goûter donc du coup je vais goûter ça parce que. Non. Ah, avocat. Ouais, ouais c'est bon, avocat, vas-y. Avocat cream cheese. Voilà. À la base, j'aime pas l'avocat, donc on va voir ce que ça donne. Et donc, c'est, bah, c'est le même nom, avocat cream cheese, voilà. Ouais. Avocado. C'est avocado. Avocado. Avocado cream cheese. Ça sent le fromage, je suis sûr. De toute façon, dans tous les cas. Non, ça sent pas le fromage. C'est à la soupe de poisson, ça. On goûtera pas. Ouais. Bon, il n'y a pas d'odeur. Hein. C'est comme les chips, les tortillas. Ouais, les biscuits à péri. Les biscuits à péri. Ça a pas l'air dégueu. Mais tu me nous attends. Viens, je t'en ai des nouilles. Donc ça ressemble à ça. Ça ressemble bien le goût de tortilla en tout cas. Tu sais, les chips. Je suis déçu parce qu'il marque avocat et cheese, mais finalement le cheese il prend tout quoi. Ouais. Du coup, t'as aucun goût d'avocat, t'as du fromage. Bah, si, y'a un arrière-goût quand même d'avocat. Moi, j'ai eu aucun goût. Je sais pas, c'est pas. Je suis un peu sceptique, c'est vraiment pas top. Non, mais. Tiens, dis-en la note. T'en veux un autre.
Mais alors, je suis déçu. Ouais, non, on sent pas la coca. Je suis vraiment déçu, quoi. On sent beaucoup le fromage, en fait. Mmh, bah, fromage oui, et le goût de la, tu sais, de la tortilla, les chips, ouais. Tortilla. Ouais. On va voir un coup. Tu veux pas goûter celui-là? Non, j'ai envie de présenter ça. Ok. Alors ça, c'est de la viande de bœuf séchée. En fait, Aurélie, ouais, elle l'a commandé parce que... Bah parce qu'en fait on avait commandé sur le truc américain. Ouais, My American Market. Ouais, My American Market, et du coup bah, on a voulu comparer quoi. Donc voilà, comment ça s'appelle? Bah c'est la viande sèche. Bah ouais, mais j'ai pas le nom là. Non mais c'est pas grave, y'a pas de nom. Ah si là, des Giu Giu, je sais pas quoi. Je sais pas comment on le prononce. Ouais, c'est avec une vache qui fait un câlin à sa propre viande. Vas-y, sens, au début. Ça sent comme sur My American Market, je trouve. Un peu plus fort peut-être. Ouais, un peu plus fort. Ça a la même odeur que celui de My American Market. Par contre, j'ai pris celui-là le plus petit. Ouais, c'est déjà goûté. Non, mais prends la moitié. On va prendre. On va partager. Bah oui, je vais éviter de tout trop gâcher. Ouais, c'est trop là. Par contre, il faut un bout quand même pour plus sentir l'odeur. Quoi. Tiens. Bon, c'est parti. La texture, c'est pas la même. Mmh. Parce que sur celle My American Market, elle est plus dure. Plus sec. Plus sec, ouais. Moi, ça va. Mais le goût reste le même. Ouais. Le goût, il reste le même, je trouve, quand même. Petite chose près. En fait, tu vois, je préfère celui-là. Hein. Mmh. C'est peut-être pas. Il est moins salé, je trouve. Non, franchement, non, j'aime bien, moi. Mais ça va, franchement, c'est bon. On peut finir. Oh, ça, c'est bon. Non, attends, quand même, on va goûter avant ça. Trop curieux. Trop curieux ? Ouais. Ouais. Bah voilà, ça c'est du. Alors. Je le sens pas. Ikataro. C'est du. En fait, c'est du genre du poulpe séché, quoi. Un peu. C'est un peu ce genre. Bah c'est ça, quoi. Bah c'est du poulpe séché. Ouais. Et il était tombé par terre. Oui. Il y a pas. Non. Attends, je suis peut-être bouillonne aussi. Ouais. Voilà, c'est bon. Oh la vache! Ah, ça pue! Encore. On dirait de la viande séchée, je trouve que ça fait le même odeur. C'est le barbecue, j'ai l'impression. Le barbecue. Mmh. Tiens. Il y a que lui pour sentir le barbecue sur. C'est cette texture dégueulasse? Ah! Oh, regarde! On va éjaculer! Mais ça ressemble à ça! Ah, c'est. Bon, allez, vas-y, go! 2-3. Bah, c'est pas tellement dégueu finalement, ça goûte poisson. Ah, quoique à la fin ça va. Mais après à la fin, non, ça goûte crevette et j'aime pas les fruits de mer, du coup forcément c'est dégueulasse. Ah, si à la fin ça va. Ah, le début, le goût il est bizarre. Mais à la fin ça va. Non, ça va. T'aimes bien? Donne mouchoir s'il te plaît, parce que là on m'a raccroché dessus. Là. Oui. Non, non. Pas me lécher le doigt, c'est dégueu. Mourir non plus. Non, ça va, c'est pas mal quand même. Ça va. Ça va, mais voilà, ça va. Et comment on peut vendre cette merde? Ouais, c'est ça, c'est limite ça. Là, c'est deux différents. En fait, c'est du poulpe séché pareil, mais c'est en. Deux, comment dire? T'as du. Ah là, voilà. Là, t'as du Ama Ikataro Kimchi, celui-là. Et du Ama.